putain, c'est toi qui as foutu ces citrouilles toutes dégueulasses là sur mon point de spawn. Ouais, j'ai invoqué ça pour protéger les gens. T'as invoqué ça pour protéger les gens? Tu crois vraiment que ça va les protéger? Alors, imagine-toi, il y a une araignée. Paf. Tu veux vraiment invoquer ça pour protéger les gens, mon vieux? Il me foutrait les boules, moi, le machin. Salut tout le monde, c'est Jolat. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur Minecraft. Salut Sofiane, regardez-le, ce tricheur. Il s'est mis en créatif. Regardez, bon. il a pas de point de vie. Hein? Alors, je vous explique, on est tous les deux en créatif. Je vous explique, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, enfin, je l'ai même dit dans une vidéo où j'ai arrêté YouTube, j'ai repris le lendemain d'ailleurs. Il y aura peut-être une deuxième partie, j'arrête YouTube 2. Ouais, ça marche bien ça. Pendant 2 heures. Pendant 2 heures, j'arrête YouTube pendant 2 heures. Bon, bref, j'avais dit que j'allais ouvrir un serveur Minecraft. C'est pour ça les gens, vous me dites Minecraft, Minecraft, la suite de Minecraft. Mais si je fais pas la suite de Minecraft, c'est parce que on prépare quelque chose de lourd, vous comprenez? Hein? Eh ouais, c'est pour ça qu'on fait pas la suite de Minecraft. Donc du coup, vu que vous avez l'air super pressé, parce que là pour l'instant rien n'est fini, on va vous en parler. Et donc en fait, eh bien on a ouvert un serveur grâce à ddlc.com. D'ailleurs je les remercie, il y aura un petit lien dans la description. Donc ils m'ont passé un serveur. Et en fait, là, avec Sofiane, on est en train de construire le point de spawn. Voilà, on est en train de faire un petit point de spawn. Alors, on n'est pas des grands architectes, mais on va faire ce qu'on peut. Le problème, c'est que avant de mettre le serveur en public, on voudrait pouvoir claim des zones, c'est-à-dire revendiquer des zones. En fait, quand vous construisez votre base, eh bien, faudrait pouvoir dire, voilà, cette base, elle est à vous, et personne ne peut la détruire. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas comment faire ça. Voilà, donc là, c'est un petit peu chaud. D'ailleurs, je fais une petite dédicace à Nico. Salut à toi. Merci parce que franchement, il nous a bien aidé. Ouais, bah, en fait, il nous a bien aidé. C'est lui qui a tout fait, en fait. Ah ouais, c'est clair. On n'a rien fait. Ouais, non, mais bon, faut dire qu'on est un peu nul, quoi, pour coder les serveurs et tout. Alors, Nico, il m'a aidé à coder le serveur. Parce que franchement, je vous dis, c'était la merde. J'avais une map, on était dans les îles et tout. Oh. Mais laisse tomber. Là, ça va, on a une bonne map. J'ai réussi à remettre mes shaders. On est en 1.11.2, c'est-à-dire c'est la dernière version, la toute dernière. Putain, ton golem, il me fout les boules, Sofiane, là. Putain. Comment qu'il est vénère, le bordel. Laisse tomber. Et là, du coup, on a fait un petit point de spawn. Donc, quand vous apparaîtrez, en fait, donc pour l'instant, je donne pas le serveur. Parce que pour le moment, on peut pas claim les zones. Donc, ça sert à rien. Si tout le monde vient, ça va être Bagdad, mon vieux. Ça va être pire que je sais pas quoi. Et donc ici, j'ai mis un petit panneau, bienvenue, votre survie commence ici, bonne chance. Eh ouais, en fait, comme vous pouvez le constater, bah, ça va être un serveur survie, voilà, classique. Et en fait, ce sera un petit peu comme un DZ Battle Royale, si on peut dire, voilà, c'est ça, Hunger Game Battle Royale. Voilà, tout le monde va spawner ici, donc vous allez spawner ici ou derrière, enfin, aux alentours de ça, en fait. Et du coup, voilà, là, ce sera la survie, quoi. Voilà, c'est à vous de partir à l'aventure, quoi, d'aller je ne sais où, construire votre base, et il y aura du PVP et tout. Juste, le seul truc que je veux pas, c'est que dès que vous avez construit votre base, qu'on puisse vous la détruire. Voilà, ça, je voudrais pas que ça arrive. Donc, justement, je cherche une manière de façon à ce que quand on construise une base, et bien plus personne puisse y toucher. Et ça, c'est pas évident à faire, je sais pas comment qu'on fait. Voilà, une fois que j'aurai trouvé ça, le serveur, je l'ouvrirai en public et je vous mettrai l'adresse du serveur en bas et tout. Tout le monde pourra rejoindre. Seulement, une fois que j'aurai trouvé ça. Parce que pour le moment, tant que j'ai pas trouvé ça, ça sert à rien. Parce que je sais pertinemment qu'il y a des gens qui vont venir, ils vont casser tout ça, ils vont tout péter. Donc voilà, donc pour l'instant, le serveur, je le donne à personne. Voilà, il y a juste moi et Sofiane dessus, c'est tout. Mais on essaye de s'occuper de ça le plus vite possible. Et dès que tout sera fait, eh bien vous inquiétez pas, ce sera nickel. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire avec Sofiane, c'est qu'on va commencer à construire un petit point de spawn pour vous accueillir. Eh ouais, hein? Parce qu'il faut accueillir les gens comme il se doit, Sofiane. Un beau truc. Hein? On va faire. Hein? Hein? Faut les accueillir comme il se doit, là. Hein? Pas avec ton vieux golem tout pourri, là. Il va faire peur à tout le monde. Eh! Bâtard, va. En fait, Sofiane, il a les commandes. Et du coup, en fait, regardez. Si je fais ça, voilà. Si je fais ça, tout simplement. Voilà. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, en gros, j'ai tous les 5 pouvoirs. Par exemple, je peux faire ça. Attends. Par exemple, je peux faire ça, voilà.
Mais je peux le faire revenir en faisant ça, voilà. Si je fais ça, il va revenir. Voilà, Bouyaka m'a été débanné, hein. Il m'a banné, hein, il a aimé, hein. Voilà, donc, ce qu'on a fait, les gens. Alors ça, c'est Nico qui m'a fait ça, mais en fait, je sais même pas pourquoi je dis c'est Nico qui m'a... Eh, vas-y. Eh, bâtard, va. Ah non, c'est mon serveur. Il m'a banni mon serveur. Vas-y, là. Ouais, donc je disais, je sais même pas pourquoi je dis c'est Nico qui a fait ça, puisqu'en fait, bah, tout ce qu'il y a là, c'est Nico qui l'a fait. Donc voilà, ici, on a mis une petite plaque de pression. Donc quand vous passez sur cette plaque de pression, laisse-moi montrer aux gens que genre... Quand vous passez dessus, ça ramasse des poulets. Donc voilà. Alors, vous allez me dire dans les commentaires, si par exemple, si vous voulez jouer avec nous, qu'est-ce que vous préférez quand on commence? Est-ce que vous voulez avoir par exemple plusieurs plaques de pression avec un petit stuff de début? Genre une épée en bois, une pelle, une pioche et puis tu vois, basta quoi. Un petit truc pour les poulets et puis... Ou alors, tout le monde se débrouille, on arrive, c'est Hunger Game mon vieux, on est à poil et puis vas-y, c'est parti à l'aventure. Moi je pense que le système de la débrouillardise, ça peut être pas mal. Juste peut-être un truc pour la bouffe, pour pas partir les mains nues, voilà. Juste la bouffe, ce serait pas mal. Qu'est-ce que t'en penses toi, cochon? Ouais. Hein? Ouais. Voilà. Donc là, alors attends, comment qu'on va faire? On va essayer de construire un truc plutôt franchement sympatoche. On va se mettre en mode créatif. Voilà, et on va essayer de construire... Faudrait une salle fermée quand les gens y spawnent. Mais en vert, moi, je pense que ça peut être pas mal. Ou non, peut-être pas tout en vert, pas tout en vert. Je vais prendre du vert sur moi en bois. Tu sais, ça fait un peu rustique et tout. Moi, je dis, tu vois, faudrait commencer comme ça. Et on va faire genre une grande maison avec des fenêtres et tout, tu vois. Et les gens, ouais, ils spawneront dedans, tu vois. Je pense que ça pourrait être pas mal comme ça. On va faire comme ça, on va faire un grand carré au début. Et franchement, moi, je dis que ça peut être pas mal une map pour tout le monde. En survie et tout. Non, c'est peut-être pas assez grand comme ça, cochon-ci. Bon, ok. Voilà. Moi, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça pourrait être carrément pas mal. Un petit peu à la manière, voilà, quoi. Un Hunger Game, tout simplement. Alors, on n'est pas des grands architectes, hein, mais franchement, on va essayer de faire un truc bien. Quand on joue à Minecraft, nous, on fait que des carrés. Hein. On fait que des carrés, mon vieux. Même les maisons, et sont encore des carrés... Des carrés qui ressemblent pas à grand chose des fois. Il y a un nouveau minerai. Ah ouais, c'est quoi le nouveau minerai? Eh, ils sont beaux sincèrement, je trouve qu'ils sont vachement beaux. Ah. Ouais, parce que là on est sur la dernière version, la toute dernière. C'est des nouveaux minerais ça? Ouais, avant ils y étaient pas. Et ça s'appelle comment? Bloc de pilier de purpur et bloc rouge de nether et aussi le bloc de verru. T'es sûr qu'ils y étaient pas avant? Je sais pas, mais c'est la première fois que je vois ça. Hein? Insultez-moi pas s'il y avait des gens. C'est ça le pire, ouais. Enculé, hein, il y avait déjà ça. Sale bâtard, ça y était déjà, va. Non mais c'est trop ça quoi, tu sais. C'est comme, je m'en souviens, tu sais, quand on avait fait la vidéo sur Counter-Strike. Et on avait eu le malheur de dire, on avait du je sais pas quoi, le Glock Fad ou le... Enfin j'en sais rien mon vieux, je sais même pas comment ça s'appelle. On avait dit que c'était de la merde, alors qu'en fait c'était pas de la merde quoi. C'est super bien là, qu'est-ce que tu racontes? Si tu racontes, enculé, va. Les gens sont susceptibles hein. Comment qu'on s'était fait insulter mon vieux, laisse tomber. Moi je verrais bien un toit en vert là-dessus, tu voilà, vois. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Un toit en vert, ça peut être pas mal. Mais d'une couleur. D'une couleur? Ouais. T'aimes bien, quelle couleur? Bah je sais pas, un bleu. Ce que je voudrais bien faire aussi, bah ouais, c'est changer le point de spawn du coup. Parce que ce qui se passe, c'est que des fois on spawn dehors, juste à côté de la base et tout. Et ça c'est chiant, je voudrais bien que le point de spawn il soit là, tu vois ce que je veux dire là, je crois. Oui mais non, mais ça marche pas, je l'ai fait tout à l'heure. Ça marche pas, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Au pire on l'agrandit de ça. Ça veut dire on va devoir casser tout le mur que t'as fait. Non, on agrandit rien, on attend. De toute façon s'il y a quelqu'un qui sait dans les commentaires, ben, qui me le dise tout simplement. Qui me dise s'il s'y connaît bien et tout, comment faire. Alors il y a deux trucs que je sais pas faire. Bah non, y a pas que deux trucs que je sais pas faire. Mais c'est les deux trucs importants que je voudrais faire. C'est à dire mettre le point de spawn ici. Et apparemment bah vous avez vu que ça marche pas. Voilà. Et un autre truc, c'est pouvoir revendiquer les zones. Voilà. C'est les deux trucs que je sais pas faire. Tant que ces deux choses là ne sont pas mises sur le serveur, je peux pas l'ouvrir en public. Voilà. Donc s'il y a quelqu'un qui sait faire dans les commentaires,
qui me voilà, qui m'envoie un truc ou je sais pas, qui m'explique la marche à suivre. Mais moi, franchement, là, je sais pas, je suis perdu. Hein. Eh, dis donc, ça fait vachement jaune là-dedans. La marche à suivre, regarde, c'est là. Là, les gens, ils spawnent. Tu vois ? Tac, voilà. Là, il y a le petit panneau. Et là, après, ils sortent par là, les gens. Tu vois ? Voilà, on va faire ça comme ça. Oh, c'est plutôt sympatoche, non ? Hein ? Ouais, hein ? Et que vous en pensez, un peu, là ? Non ? J'ai de votre avis. Hein ? Bah, et puis voilà, et puis après, mon vieux, après, une fois que vous sortez de là, bah, vous êtes lâché dans la nature et... Et c'est parti, hein, Battle Royale, Hunger Game, hein. Voilà, après hein, c'est à nous de foncer à l'aventure, et puis de se faire notre petite base et tout, et tranquille quoi, après, en fait c'est un mode survie classique quoi, sauf que voilà, il y aura du PVP, tout simplement, il y aura plusieurs joueurs sur la map, mais vu que la map de Minecraft est quand même très grande, il y a peu de chance pour que tout le monde se croise. On va pas tout le temps croiser un bonhomme à chaque coin de rue. Sauf si forcément, bah, tout le monde sort et puis tiens, on fait sa base ici. Bah ouais, forcément, non. Une fois, je veux dire, une fois que vous spawnez et que vous êtes sorti, il faut foncer. Hein. Faut aller faire sa base à 10 km. Hein. 10, 15, 20 km si vous voulez. Hein. Ah, faut pas faire la base tout près du spawn parce que forcément vous allez être emmerdé. Vous allez être emmerdé tout le temps, hein. Ça c'est sûr. Moi je dis que franchement ça pète comme point de spawn là, c'est pas mal. Hein. Après, bon bah, je sais pas quand est-ce que le serveur il va ouvrir parce que moi je vous dis, dès que j'ai toutes les infos pour faire ce que je veux en fait, c'est-à-dire revendiquer les zones et mettre le point de spawn, j'ouvre le serveur. Voilà. J'ouvre le serveur, on fait tous la survie ensemble. Mais tant qu'il n'y a pas ça, je peux pas. Voilà. Donc c'est vrai que bah, ça sert à rien de me dire là, hey, Minecraft, je peux pas parce que si j'ouvre le serveur comme ça, je sais très bien qu'il y a des gens qui vont venir, ils vont tout péter. Voilà, c'est obligé. Donc tant qu'il n'y a pas ça, moi je donne pas l'adresse du serveur, on commence rien quoi. Mais c'était pas comme ça qu'il fallait commencer, cochon, c'est nul, du coup j'y arrive pas. C'est super chiant quoi. Bah ouais, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Ouais mais tu peux, regarde. Faut commencer par le bas et après faire le haut. Mais non, regarde, tu peux aller de ce côté et faire comme ça. Ouais, mais c'est nul. Ah, tu cherches une excuse, hein. Ah oui, c'est vrai, ouais, on peut faire comme ça, oui, c'est vrai. Ah, il est con, le con. Ah. Qu'est-ce qu'il est con, ce con. Mais pourquoi tu fais ça? Ça sert à quoi? On va mettre de l'eau. Tu verras. Putain, tu m'as renfermé. Putain, quel cochon celui-là. Ah ouais, on va mettre de l'eau après. Ouais. Et là, on met de l'eau à l'intérieur. Voilà. Vas-y. Ah ouais, pas mal. Attends, je veux juste voir si ça va pas bien. Ah, ça va pas plus loin. Faut en mettre partout. Merde. J'en ai mis à côté, cochon. Et bon, moi, je rentre, puis après, je mets de l'eau tout autour. Tu vois, c'est bien. Et ça sert à quoi, en fait? C'est pour faire un style. Hein? Ça sert à rien. Putain, comment que c'est tout dégueulasse, mon vieux. On n'a pas dit que ça allait forcément être bon. Comment que c'est tout dégueulasse. On a dit qu'on allait faire un spawn. On n'a pas dit qu'on allait faire un truc de ouf. Putain, mon dieu. Merde. C'est laid. J'en ai vu de la merde, mais de la merde pareil, j'avoue. Ah, j'en ai vu de la merde, oui. Mais de la merde comme ça. Jamais. C'est la première fois. Non, mais sérieux, c'est vrai que c'est laid. C'est moche et ça sert à rien. Et regarde, après, non. Tu mets ça. Non, c'est peut-être pas mal. Faut le laisser, cochon. C'est bien, ça fait un style. Un style de merde, mais ça fait un style. Voilà. Non mais c'est parce que c'est mal fait, cochon. Tu vas voir une fois que ce sera bien fait. Tu verras, la nuit ça va faire beau normalement. Ouais, normalement la nuit ça va faire beau. Le jour c'est moche mais la nuit c'est beau. Ouais le jour c'est moche. Ouais c'est très moche le jour. Et la nuit ça va être très beau. Ouais. Parce qu'on va trop bien le jour. J'ai confiance. Ouais parce que la nuit on voit rien. En fait vous allez voir la nuit. Quand la lune elle sera cachée, que ça fera vraiment nuit noire, qu'on verra rien, vous allez voir, ça va être beau. Quand on verra rien du tout. Mais non, mais sérieux, c'est quoi ce gros. C'est quoi cette grosse merde que t'es en train de faire là? Qu'est-ce que tu fais? Aide-moi à la place de rien. Bah aide-moi, mon vieux.
Je te laisse tout seul dans ta merde, moi. Aide-moi à faire de la merde. Aide-moi à faire de la merde. Vas-y, attends. J'ai été à faire de la merde, mais franchement, là, c'est clair qu'au niveau merde, on est hein, fort, hein. On a mis un level. On a mis un bon level là. On va se faire insulter tous les noms. Là, c'est la vidéo. Tu m'étonnes, mon vieux, putain. Je crois bien, je vais la mettre en privé celle-là. Oh, comment ça brille, mon vieux. T'as vu ça? Déjà, de là, ouais, c'est pas mal. Alors, fais voir. Bah, c'est bien laid. Mais ouais, mais je sais, il aurait fallu mettre du vert transparent. Il aurait fallu mettre du vert transparent, cochon. Ouais, vert transparent. Bah bien, on va l'enlever. Ouais, non, mais attends, t'es fou, toi? Hein? Tu te démerdes, mon vieux. Regarde, t'as déjà cassé un bloc, il y a de l'eau partout, là. Bon, bah voilà, hein. On a fait le point de spawn. Bon, pour l'instant, il y a personne qui peut spawner dedans, mais c'est prêt. Voilà. C'est prêt. C'est bien, hein? Ouais, c'est bien de la merde. Putain, vient de casser le beacon. Non! Arrête! Oh, ben ouais, t'as cassé la lumière, le rayon laser. Attends, fais voir. Attends, déjà, de près. De près, ouais, ça ressemble à de la merde. Et de loin, ça ressemble à de la grosse merde. C'est bon, c'est ce qu'on voulait faire. C'est parfaitement ce qu'on voulait faire. Voilà. 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 C'est bien le violet. Hein. Ouais, c'est bien. C'est bien. C'est bien moche. C'est bien moche. Regarde ce que je vais faire. C'est bien pourri. Bon, les gens, écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo sur Minecraft. En tout cas, on va essayer. On va essayer de bien avancer. Alors, quand je dis bien avancer, je parle du fait. Au niveau des commandes, quoi, c'est surtout ça. Pouvoir spawn au bon endroit et puis surtout pouvoir revendiquer les zones. Et puis, ben, dès que tout ça c'est fait, de toute façon, vous serez au courant puisqu'il y aura une vidéo sur la chaîne pour dire que c'est ouvert ou quoi, donc voilà. Mais pour le moment, bah, c'est en stand-by jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui sache m'aiguiller comment faire. En tout cas, les gens, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, pourquoi pas la partager, ça fait plaisir. Et, ouais. Et puis voilà, hein. Et puis, viens te coucher. Voilà, on va se coucher. Voilà. Bonne nuit. Sur ce, ciao tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit. Quel cochon celui-là.